échapper. Il faut la coincer. Attention à ces tornades. Approche-toi prudemment. Allons-y. Tornade, approche-toi prudemment. Link, tu peux te relever? Prépare ton arc. Attention à ne pas te laisser encercler. On peut peut-être se servir de cette lumière. Riju, ma descendante, toi qui as hérité de mon sang. Oh, je reconnais cette voix. C'est toi qui nous parles depuis tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, je suis ta très lointaine ancêtre. Une guerrière Gerudo qui était au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui maîtrise la foudre. Je t'ai observé combattre. Tu manies la foudre avec grâce et puissance. Tu es ma digne descendante, la fierté des Gerudo. Le monstre que vous avez vaincu était bien la source de la brume de sable. Le roi démon l'avait envoyé. Il avait pour instruction de t'empêcher d'accéder à la gemme que tu viens de toucher, la pierre occulte. La pierre? Le roi démon? Oui. Tu comprendras bientôt à quel point tout cela est important. Prêtez attention à l'histoire que je vais vous raconter. Voici le récit de la guerre du sceau, qui a décidé du destin de notre peuple. Ces événements remontent à un passé lointain, très lointain, à l'époque qui vit la fondation du royaume d'Hyrule. Une force maléfique s'abattit sur le monde, bien décidée à détruire le jeune royaume et sa population innocente, le roi démon. Né du peuple Gerudo dont il avait pris la tête, cet homme était dévoré d'une ambition telle qu'elle fit de lui un monstre. Entouré de 6 guerriers dont je faisais partie, Rauru, le premier roi d'Hyrule, se dressa pour lui faire face. Il avait remis à chacun de nous une pierre occulte qui nous aiderait dans notre combat. Une gemme capable d'amplifier les pouvoirs de son porteur. La mienne avait fait de moi le sage de la foudre, et c'est en tant que tel que je pris part au combat. Mais la puissance de l'ennemi défiait l'imagination. Mes attaques de foudre ne parvenaient pas à entamer sa résistance. Sa détermination était inébranlable. Le roi Rauru comprit alors que nous ne parviendrions pas à abattre l'ennemi. Il fit le choix de se sacrifier pour sceller le roi démon et mettre un terme au combat. C'était donc ça, la guerre du sceau. Quelque temps plus tard, je reçus la visite de l'un des 6 sages, le sage du temps. Elle allait sceller le destin des Gerudo. Le sceau finira par se briser, et le roi démon retrouvera sa liberté. Quand ce jour arrivera, Link aura besoin d'assistance. Il lui faudra toute l'aide que nous pourrons lui procurer. Je t'en prie, confie-lui le don que tu possèdes. Transmets-lui le pouvoir de la foudre, offre-lui le soutien des Gerudo. À cet instant, je sus ce qu'il me fallait faire. Nous désirons plus que tout la chute du roi démon. Il a vu le jour au sein de notre peuple, et notre responsabilité est grande. Au nom du peuple Gerudo, je jure que le réveil du roi démon verra celui du sage de la foudre. Et qu'il se battra aux côtés du chevalier. À présent, vous savez tout sur la guerre du sceau et le rôle que notre peuple est appelé à jouer. Vos efforts à tous deux ont sauvé la cité Gerudo. Mais le roi démon ne tardera plus à renaître. Riju, ma descendante. Je t'en prie, accepte la pierre occulte et honore la parole que j'ai donnée au sage du temps. Mets tes forces au service du chevalier Link et combat à ses côtés. C'est donc le destin qui m'appelle. Il est dit que je dois me battre à tes côtés. combiner mes devoirs de chef, mon nouveau chemin en tant que sage, et maintenant me battre à tes côtés en plus de tout. Ça me plaît bien. Car à toi, roi démon, moi vivante, je ne te laisserai pas l'emporter. Viens, pierre occulte, je t'accepte comme héritage. Link, maintenant donne-moi la main. Voici mon serment. Moi, Riju, sage de la foudre, jure de toujours me battre à tes côtés. Accepte ceci comme preuve de ma promesse. Tant que tu porteras cette bague, mon pouvoir sera tien. Tu pourras l'invoquer à tout moment. Cette fois, je vais pouvoir rembourser ma dette envers toi. Allez, viens, on nous attend à la cité. Mm-hmm.